Non, c'est bon, j'ai récupéré la feuille. Je vous laisse une petite place. Une formalité, madame. Semaine exceptionnelle, dispositif médical exceptionnel. Dans la maison, les filles avaient deux matchs, deux jours de suite. On avait décidé, à la demande de Julie, de venir à deux kinés. Oui, la maison en est deux, les filles en ont vraiment profité. Chaque jour, on a eu en moyenne, avec Cécile, 7 ou 8 joueuses à voir, hormis nos petites jeunes qui ne sont pas venues. Heureusement, on n'a pas de bobos. Pas de bobo depuis le départ, on a fait uniquement des soins de récupération, de drainage. Ouais. Pas de pathologie à traiter. Le kiné est très important, parce que même si on n'a pas forcément des blessures, c'est pour la prévention. Alors vous voyez, j'ai mal au pied, mais pas au point de ne pas pouvoir jouer, mais je fais des soins pour éviter d'avoir plus mal. Oh putain, j'ai fait une connerie, je sens que je vais finir par perdre. La table jusqu'au bout. Comme ça Antoine, t'auras rien sur moi. Voilà. Pas de dossier. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ambre Hébert, médecin généraliste à Saint-Sauvé. J'ai eu la chance d'intégrer Basketland cette année et de pouvoir participer à cette deuxième bulle d'Euroleague. Côté staff médical, nous étions au complet et nous sommes aux petits soins pour les filles. Pour cette session, nous avons maintenu l'hydratation et nous avons rajouté une note alimentaire avec ce soir un repas asiatique. Ouais, je crois que c'est un chili. Il y a là. Tout le monde peut le stade.